Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, by Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sous le pseudo by Night tout court. Ça fait longtemps de nouveau, ça fait très 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 longtemps. Je crois que mon dernier épisode date de, je le vois là, fin juin. Et je pensais venir vous voir régulièrement et... J'ai pas venu, j'ai pas eu le temps. J'espère que tout va bien. Donc je voulais vous remercier. Je crois que j'ai jamais eu autant de commentaires sur le dernier sous un épisode que sous l'épisode précédent. Merci pour tous vos retours, pour tous vos messages, pour tous vos partages, pour vos voilà. Il y a surtout des questions de mes cheveux alors que je vous avais demandé de pas en parler. Mais bon voilà, ça pousse, ça commence à ressembler à quelque chose de mon point de vue. Voilà, même si vous trouviez tous que c'était très bien, ça ressemblait à rien. J'étais un peu perturbée en disant, mais sérieusement, vous m'en parlez pas, j'ai jamais eu autant de messages pour m'en parler. Mais bon, je suis très contente aussi que la partie couture vous ait plu, parce que du coup, on va encore parler couture aujourd'hui, je vous préviens. Je sais pas si je commence par les nouvelles, c'est par le 2, voilà. J'ai pas tricoté énormément. Donc on s'est vu fin juin, j'étais pleine d'énergie, plein d'enthousiasme, on allait réattaquer la teinture, on allait à un mariage qui allait être très chouette, on avait notre mois de juillet avec, je pensais faire un peu de teinture, enfin un peu beaucoup de teinture le matin, faire autre chose l'après-midi, voilà, et caser genre un ou deux après-midi de détente par jour, par semaine, plus un jour de week-end de détente, travailler 6 jours sur 7 au lieu de 7 sur 7, et de nouveau, comme tout le reste de l'année, on n'a pas tout à fait été maître ni de notre temps, ni de notre énergie, ni de notre vie de tous les jours, puisque pour le 31 juillet, il fallait vider la maison de la maman de mon mari, dans laquelle leur famille a vécu 65 ans, ils étaient 6, il y avait beaucoup de petites pièces, pleines de meubles, pleines de souvenirs, ça n'avait jamais vraiment été trié. Ah, et donc, comme on habite juste à côté, comme personne d'autre n'était soi-disant disponible, et en fait, on s'est retrouvé à faire beaucoup, beaucoup nous-mêmes. Et j'ai fait énormément, puisque forcément, c'était pas ma maison de mon enfance, il y avait moins de sentimentalisme, donc c'était plus facile pour moi d'être un peu plus radical dans le tri. J'en ai pas dormi beaucoup de nuits, j'en ai fait des crises d'angoisse en me disant on n'arrivera jamais sur le courant du mois de juillet à vider cette maison. Notre but étant aussi qu'un maximum des objets qui faisaient partie de cette maison trouvent une nouvelle vie, que personne ne se sente lésé, que personne ne se sente frustré, que tout le monde puisse ramener les objets dont il avait besoin, les souvenirs. Sa maman adorait cuisiner, je n'ai jamais vu autant de vaisselle dans une maison. Je crois qu'elle avait genre 30 moules à cake, 14 plats à gratin, plus de 30 casseroles, il y avait 6 services différents de vaisselle. Dont certains avec 50 ou 60 assiettes, parce qu'elle faisait, il fut une époque où elle faisait des repas pour la famille étendue, et donc elle avait de la vaisselle pour tout le monde, des verres, enfin c'était un truc de fou, le tout, plus les photos, les albums photos, elle peignait énormément, donc il y avait tous ses croquis, ses esquisses, ses recherches pour chacun des tableaux qu'elle réalisait, tous ses souvenirs d'enfance à elle, les souvenirs d'enfance de ses parents, les souvenirs d'enfance de leur papa, enfin c'était... Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de meubles, beaucoup de beaux meubles, donc voilà, donc on a pris, en fait, ce qui nous a pris du temps, c'est de faire en sorte que chacun puisse venir pour choisir, puis passer par des associations au maximum, une fois que tout le monde était passé, pour que, que les vêtements puissent resservir, la vaisselle puisse resservir, enfin voilà, plutôt que de jeter ou de revendre, pour terminer par 3 jours avant la fin du bail, avoir un vide-grenier qui est venu prendre ce qui restait. Et là, on s'est dit, c'est bon. On est bon, sauf qu'on s'est un peu voilé la face dans le sens où nous, on a décidé de garder pas mal de meubles qu'on n'a pas la place de mettre. Parce qu'il faut d'abord qu'on vire nos vieux meubles qu'on a récupérés à gauche et à droite quand on s'est installé, qu'on était fauchés, et qu'il faut trier. Trier 20 ans de notre vie qu'on n'a jamais rien trié parce qu'on est deux grands sentimentaux, deux grands bordéliques. Et qu'on a tendance à on va le mettre au grenier. Notre grenier, il fait 2 mètres par 4 sous toi. Il n'y a aucun endroit où on se tient debout. On ne tenait même pas, on ne rentrait pas dedans. La trappe pour y arriver fait 1,20 m par rapport au sol. Donc j'étais accroupi, je sortais les trucs. Ok, poubelle. Voilà, on avait, 5-6 Shinify. Pourquoi est-ce qu'on a gardé des Shinify qui ne fonctionnaient pas? 5 lecteurs DVD. On avait 14 téléphones portables qui ne fonctionnaient plus. On a fait des allers-retours à la déchetterie, dans les centres de tri,
Donc ça commence à ressembler à quelque chose, mais on a encore une petite dizaine de choses à aller récupérer, une table, une grande garde-robe, des meubles qu'on ne sait pas transporter nous-mêmes à deux, donc voilà, les enfants vont venir nous aider. Mais donc du coup, on vit un peu dans une brocante pour le moment, où il y a des meubles qui ne sont pas à leur place, des objets qui ne sont pas à leur place. Mais donc voilà, tout ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça a représenté énormément de stress et d'inquiétude. Et enfin voilà, on s'est senti très très seul dans toute cette situation. Après, je crois que ça arrive dans toutes les familles, même si la famille est grande, même si la famille est unie, on est... les plus proches du problème, donc à nous de gérer le problème. Mais voilà, tout est fait, tout est réglé, j'espère que ça va aller. Après, en plus de ça, la Matteo n'a pas été dingue, donc j'ai fort galéré. Je vous l'avais dit, je pense, dans l'épisode précédent, que j'ai relancé une cuve d'indigo, parce que l'indigo aime la chaleur, parce que l'indigo aime le beau temps, et que j'ai pas envie de commencer à chauffer ma cuve d'indigo si je dois l'utiliser en hiver. Et en fait, voilà, si vous habitez en Belgique ou dans le nord de la France, vous savez les 3 semaines qu'on vient d'avoir, où il a fait plus moche qu'au mois de novembre l'année passée. Voilà, on a quand même frisé certains jours les 13-14 degrés avec du déluge constant. Enfin, c'était... Et donc ma cuve d'indigo, et il y a beaucoup d'orages aussi, ma cuve d'indigo a beaucoup viré, tourné, et donc elle m'a demandé beaucoup de patience et d'énergie. Voilà, mes bouffées de chaleur ont repris, donc je dors mal, le stress, je dors mal, j'ai un nerf qui s'est coincé il y a 3 semaines, ça commence à aller, mais j'ai fait, voilà, je vous raconte pas la session de teinture, où chaque fois que je soulève, je suis là, aïe, aïe, quand je porte mes casseroles, quand je porte la laine, et voilà, de pas pouvoir tourner la tête, de pas pouvoir soulever la tête, de pas pouvoir me pencher, là, ça commence à aller, je ressemble un peu moins à un automate, ça, aïe. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que voilà. Le mariage était super chouette, le mois de juillet a très bien commencé, il faisait beau, donc je m'étais promis que, ben voilà, maintenant que je commence à être en accord avec ma nouvelle morphologie, j'allais me coudre une nouvelle robe, un nouveau chemisier par semaine, ben je ne l'ai pas fait, mais j'avais fait, donc j'ai la robe que je portais au mariage à vous montrer, et j'ai une autre robe que j'ai cousue début juillet, que je n'ai toujours pas eu l'occasion de porter, mais que je vais pouvoir porter dans les jours qui viennent, j'ai tellement hâte, à mon avis, genre peut-être demain soir ou quoi. On va manger au resto avec des amis. Donc voilà, le beau temps revient, donc ça va faire du bien. Donc voilà, j'ai eu une grosse baisse de morale liée au manque d'énergie, au manque de soleil, au manque de lumière, au manque de vitamine D, au manque de temps, au manque avoir le droit de dire aujourd'hui je fais ce que j'ai décidé que je voulais faire moi pour mon activité professionnelle ou pour ma vie privée, et qu'en fait ça partait toujours en cacahuète. Enfin voilà, mon corps a été fort mis à rude épreuve aussi à porter des meubles, des armoires, des caisses, des cartons, des trucs. Donc, voilà, bref, ça plus, voilà, j'ai une activité professionnelle, je dois teindre, je veux teindre, donc je teins tous les matins, et puis l'après-midi, ben, en fait, au lieu de travailler pour By Night, au lieu de faire de la couture, au lieu de réfléchir à mes prochains designs qui sont là, qui me trottent dans la tête, ben, j'étais coincé à... Ben, faire des cartons. Donc voilà, on a encore voilà, ça va se terminer normalement d'ici fin du mois d'août, ça devrait aller. Moi, vous le savez, en fait, le fil de la Manche, dernier salon qui a eu lieu début juillet, s'enclenche directement le mode je travaille pour préparer mon automne, puisque ben, la teinture naturelle prend du temps. Je n'ai pas précisé pour les personnes qui arriveraient ici, qui en ont marre de m'entendre parler de ma vie, alors que j'ai promis que j'allais parler tricot et couture, que je suis teinturière de laine professionnelle, je teins de la laine de façon naturelle, et donc c'est un processus qui est lent, qui est long, et je ne peux pas me permettre, entre deux salons, de vite faire quelques teintures, donc je dois profiter de la pause estivale, et alors en même temps, la même chose en hiver, donc novembre, décembre, janvier, sont des moments pour moi qui sont extrêmement chargés au niveau de la productivité, au niveau de la production, pour avoir un maximum de stock, pour tenir les salons de la saison qui arrive, avec quand même la possibilité de faire un peu de réassort entre chaque salon, ou de... voilà. Donc le prochain salon, c'est le Knit It. Je vous mets le lien ici dessous, comme d'habitude, si vous voulez aller voir l'agenda. Donc j'ai le Knit It qui est troisième week-end de septembre, dernier week-end de octobre, je serai à journée de la laine de Feltin, et 2 semaines après, le week-end du 11 novembre, je serai au Ch'ti Bazar Créatif, juste à côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. Donc j'ai hâte déjà. Bon voilà, tous ces salons, ça représente aussi pas mal de logistique, dans le sens où il faut trouver des logements, il faut s'organiser, voir si on ne trouve pas un logement à plusieurs, pour réduire un peu les frais, enfin voilà. La bonne nouvelle d'hier, c'est que notre logement de Lyon, qu'on a galéré à trouver, eh ben, ils ont eu une inondation, et le logement ne sera plus disponible, donc il faut que j'en trouve un autre. On va trouver. Si vous avez des idées, hein, on aurait besoin de 2 chambres, puisqu'il y a une autre exposante qui avait prévu de loger avec nous. Mais voilà, si vous avez des idées, mais sinon, je chercherai à mon aise demain ou après-demain pour trouver.
Voilà, donc quoi qu'il en soit. Alors, du coup, j'ai eu très très peu de temps pour tricoter, très peu de temps pour coudre, et, mais heureusement, j'ai quand même des robes à vous montrer. Très peu de temps pour tricoter aussi, parce que je me suis retrouvée dans un état de fatigue tel que je n'avais même plus le courage de tricoter 12 mailles, quoi. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé depuis que je suis tricoteuse. Au contraire, le tricot était ma façon de m'apaiser, de me détendre. J'étais juste complètement incapable de réfléchir à quoi que ce soit. Quand je vous ai laissé au dernier épisode, je terminais mon gilet patience, qui est mon prochain design qui va partir en test. Je vais lancer le test donc en priorité dans les coulisses de mon site, et voilà, s'il manque des tailles et tout ça, je contacterai les gens qui sont dans ma liste de testeuses. Si vous voulez faire partie des testeuses de mes patrons, vous m'envoyez un email ou vous me contactez via le formulaire de contact de mon site et je vous ajouterai alors à la liste. Et donc le gilet patience est terminé, et je me suis retrouvé de nouveau dans une espèce de faille spatio-temporelle, comme ça m'est arrivé plusieurs fois depuis le début de l'année, à ne pas du tout savoir ce que je voulais faire. Et donc on va jumper directement enfin dans le vif du sujet. Parlons tricot. Le tricot. Donc, faille spatio-temporelle, et donc je ne savais absolument pas quoi tricoter, j'avais pas la tête à commencer quelque chose. J'ai donc fait un bonnet pour le Heartwarming Kel, encore un. Je crois que c'est mon 6e ou 7e depuis le début de l'année. J'ai fait une paire de gants pour le Heartwarming Kel. Alors, le Heartwarming Kel, pour rappel, c'est un truc solidaire que j'organise depuis le début de l'année, dans le but, donc depuis 3 ans, et donc c'est la 3e année, dans le but de récolter un maximum d'ouvrages tricotés pour les donner ensuite à la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est une association bruxelloise qui encadre les migrants et qui ne sont pas pris en charge par les autorités, qui les aide dans la paperasse, qui les aide à se loger, se nourrir, s'habiller. Ce sont souvent des migrants juste de passage qui traversent la Belgique, mais voilà, ils ont quand même droit à avoir un toit sur leur tête, à avoir un peu de nourriture et à avoir des vêtements chauds. Et donc du coup, l'idée étant de tricoter un ouvrage par mois, quelque chose de pratique, quelque chose d'utile, que ce soit un bonnet, une paire de gants, un col, une paire de chaussettes, et de me les faire parvenir juste d'ici fin octobre, afin que moi je les transmette mi-novembre ou plus tard à la plateforme. Passé, nous avions récolté presque 1000 pièces, et j'aimerais vraiment faire mieux cette année, mais je suis pas sûre. En fait, comme je vous en parle pas beaucoup, je suis pas sûre que vous soyez nombreuses. N'hésitez pas à me laisser un message si vous participez au cal, ou si vous avez prévu de m'envoyer des choses, que je me fasse une idée, parce que je suis curieuse, en fait. Comme cette année-ci, j'ai pas organisé le forum, parce que j'ai décidé de ne plus faire de cadeaux ni de tirage au sort à la fin du cal, parce que je trouve que c'est un peu inapproprié par rapport au fait qu'en fait, c'est l'idée de faire un truc solidaire et pas de recevoir des cadeaux à la fin. Je ne me rends pas du tout compte si vous êtes nombreuses ou pas, ou nombreux et nombreuses à y participer. J'ai déjà reçu quelques pulls, j'ai déjà reçu à peu près 200 bonnets, voilà, des cols, des chaussettes, des gants, c'est très très chouette. Si vous venez me voir sur un salon, n'hésitez pas à m'apporter ce que vous avez déjà tricoté, comme ça vous évite frais de port. Donc je serai donc au Nitit et à Feltin. Le Feltin sera la dernière limite pour m'envoyer des trucs. Et autrement, si vous voulez me les envoyer, l'idéal c'est de passer par Mondial Relais. Et donc sur mon site, dans l'onglet coulisses, vous avez le sujet, c'est un forum, sujet de discussion Heartwarming Kel 2023. Et il y a la discussion info pratique, et dans lequel vous trouverez comment me faire parvenir le colis via Mondial Relais. Voilà, c'est très très simple. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, à me tenir au courant. Bon, je range le bonnet, c'est toujours un bonnet que j'ai fait en aiguissin avec de la laine de récup épaisseur à rame, où j'ai fait X cm de côte, X cm de jersey, et puis je fais des diminutions. Et les gants, c'est toujours le patron du Basic Plain Glove, qui est un patron qui est gratuit et en anglais sur Ravelry. Je crois que c'est ma 4e paire. Là, j'en ai déjà 2. Il y en a une que j'ai déjà rangée, et il y en a une que je viens de finir, qui est près de mon canapé. Mais en fait, je m'étais dit que je ferais un reel à la fin pour vous montrer tout ce que j'avais tricoté, mais en fait, j'ai fait 4 fois le même bonnet, 4 fois la même paire de gants. Puisque j'avais eu la chance de recevoir pas mal de laine de quelqu'un qui avait retrouvé de la laine dans le grenier de sa maman ou de sa grand-mère, et qui elle-même ne tricotait pas, et qui me l'avait fait parvenir pour que je puisse tricoter cette laine pour le cal. Donc voilà, donc j'ai fait ça, et puis je me suis dit, ok, j'ai toujours pas l'esprit à tricoter. En fait, j'avais des envies, et en même temps j'ai cette espèce de truc de, je suis en train de vider une maison, pourquoi est-ce que je remplis la mienne avec tous ces tricots que j'arrête pas de faire et que je n'ai même pas le temps de tout porter. Enfin voilà, même si à ce moment-là il faisait pas encore froid, donc je ne savais pas encore que j'allais reporter des vêtements chauds.
Et donc, du coup, ben voilà, il a commencé à faire un peu plus frais et je me suis retrouvé à dire, et si je terminais ma couverture de reste? C'est du zéro cerveau. Je sais exactement ce que je dois faire. Je crois qu'il me restait 3 ou 4 carrés à faire et puis toute la bordure en I-cord. Et donc, je me suis lancé dans ma couverture. Oh, de reste, elle est terminée. Mon monstre est terminé. C'est un truc de ouf. Regardez-moi cette énormité. Je n'ai même pas mesuré. Je l'ai déjà... J'ai passé pas mal de soirées fraîches enroulées dedans. Mais donc, voilà. Donc, c'est un système. Est-ce que je vous réexplique? Donc, le patron, c'est un patron gratuit, mais en anglais, qui est sur le site de Pearl Soho. C'est plus une recette. On tricote un triangle en point mousse, et puis on vient relever des mailles, on tricote l'autre triangle, puis on vient relever des mailles, on tricote le troisième et puis le quatrième, et après on a une recette pour comment commencer le deuxième carré pour qu'il soit automatiquement attaché au premier, et donc on fait tous ces carrés-là. Elle est prévue à la base 3 carrés sur 2, si on va faire une couverture pour bébé, 3 carrés sur 4. Si on veut faire une couverture adulte, moi je voudrais quelque chose de très enveloppant pour a priori mettre sur mon lit en hiver, et donc j'ai fait une couverture qui fait 4 carrés sur 5, et elle se tricote normalement en déca. Moi j'ai pris des aiguilles 5 mm et j'ai doublé de la fingering dans le but initial était d'éjecter un maximum de reste et de combiner ça avec une de mes laines au naturel. Donc j'ai tricoté le blanc, c'est ma base Twinkle au naturel que j'ai tricoté en double. Et en fait, la couverture originale est très graphique. Eux vendaient des kits avec du blanc et 4 couleurs. Et donc il y avait des petits pops de couleurs par-ci par-là. Et moi j'ai décidé que le but c'est d'éliminer mes restes et donc d'utiliser un maximum de restes. Et donc voilà, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai fait des triangles où il y a juste une partie colorée, parfois il y en a plusieurs, parfois j'ai fait un triangle complet d'une autre couleur, parfois j'ai fait des rayures, parfois j'ai fait plusieurs rayures, parfois j'ai fait un effet chiné, je suis obsédé par le chiné pour le moment. Voilà, j'ai fait aussi de temps en temps plus des tonalités dégradées. Donc il y a tous mes restes, sauf les restes dans les tons de violet et de bleu, que j'ai très très peu de toute façon. Pas de gris, un tout petit peu de noir, mais parce qu'il me restait une mini boulette de noir, voilà. Il me restait ça de noir. Voilà. Et là, ça ne se voit pas, mais donc c'est vers la fin, en fait, vraiment, j'utilisais les restes des restes, quoi. Donc quand il me restait de quoi faire 3 rangs, et puis là, ça ne se voit pas, mais les rayures sont grises. Donc le but était vraiment d'éliminer un maximum de restes. Donc j'avais un énorme pochon de restes comme ça, et je crois qu'il me reste ça. Donc j'ai bien fait. Donc je me lève pour vous montrer toute son ampleur. Je sais pas comment la photographier, donc je sais pas comment la mettre sur... ou la montrer sur Instagram, mais elle est juste dingue, en fait, j'adore. Donc là, c'est sa largeur. Et ça, c'est sa longueur. Voilà! Ma couverture de reste. Faut que je fasse une photo rigolote pour la miniature. Comment je vais faire? Voilà! Il faut prévoir sa miniature quand on est podcasteuse. C'est compliqué, hein. Il y a des choses, il faut penser à plein de trucs. Alors, elle est donc tout en point mousse, donc elle a un côté très très moelleux. Comme je vous l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, la façon dont on relève les mailles fait qu'elle est quand même... Elle a de la tenue, donc ça c'est pas mal du tout. Mais je trouvais que mes bords n'étaient pas nets, puisque là où se rejoignaient les carrés, parfois il y avait une pointe qui dépassait, enfin voilà... Et donc, je voulais faire une bordure en I-cord, je vous en avais parlé, alors je vais retrouver, excusez-moi, c'est pas poli, j'ai gardé le mail pour être sûr de remercier la bonne personne. J'ai retrouvé mon mail, je voudrais remercier Sandrine Bunny Gourmet sur Ravelry, qui m'a envoyé un lien vers un tutoriel de Claude Tricot, super bien fait, sur comment faire un I-cord sans relever toutes les mailles avant. C'était un super bon plan, parce que c'était mon frein, en fait. Je m'étais dit, mais en fait, je vais devoir relever 400 mailles, plus 500 mailles, plus 400 mailles, plus 500 mailles, et ça va être infernal, et ça va être impossible à porter, et puis qu'est-ce que je vais mettre comme câble, je vais casser mes câbles, voilà. Et donc, du coup, elle m'a conseillé ce tutoriel, il se fait avec des aiguilles courtes, donc moi, j'ai utilisé les 30 cm,
pour pouvoir bien faire les allers-retours rapidement. Et on fait l'I-cort en relevant au fur et à mesure. Donc on monte 3 mailles. Je ne sais pas où est mon début d'I-cort. On monte 3 mailles. Et puis on relève une maille et on fait l'I-cort, vraiment le principe de je tricote 3 mailles et la troisième c'est 2 ensemble, puis je relève la maille suivante et ainsi de suite. Donc on n'a jamais que 3 mailles ou 4 mailles sur les aiguilles et l'I-cort se fait petit à petit. Et donc là, à nouveau, l'idée était d'utiliser mes restes et donc j'ai fait mon I-cort, il change tout le temps de couleur. Voilà. Il change tout le temps de couleur. Je l'ai fait de façon complètement aléatoire. J'ai pas réfléchi à ce que ça aille ou pas avec le triangle qui allait arriver ou le carré qui allait arriver. Mais donc j'ai fait tout mon I-cort de 3 mailles tout autour de mon. Et pour les coins, j'ai relevé deux fois une maille pour créer cet arrondi que j'aime bien. Donc voilà, parfois il y a des tout petits bouts. Je faisais en fait, de nouveau comme c'était de la fingering tricotée en double, je faisais à chaque fois, je terminais une des petites boulettes de reste en commençant la suivante, un brin de chaque, pour que ce soit un peu plus diffusé. Donc parfois c'est un peu heureux, parfois ça se voit pas vraiment. Voilà, je sais pas si je vous fais faire le tour de la couverture pour que vous admiriez mon I-cord. Mais donc je vous mettrai dans la description sous la vidéo de toute manière les liens comme d'habitude vers tous les patrons dont je parle et je vous mettrai également le lien vers le tutoriel de Clotrico parce que c'est vraiment un bon plan de pouvoir faire d'avoir réfléchi à comment faire ce. Je continue à faire le cours de ma couverture et ça tombe, j'ai déjà fait 3 fois le tour. Vous connaissez les gens qui font plusieurs fois le tour des ronds-points? Ah ben moi je fais le tour de ma couverture. C'est un clin d'œil, il y a plusieurs personnes qui... J'aime bien ce carré-là dans les tons. Un peu de verdure, en mode verdure jaune. Donc, voilà pour la couverture. Donc, c'est la Windy Day Blanket, modèle gratuit. Je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous qui en avaient commencé une aussi. Ce que j'aime bien par rapport à aux couvertures Memory Blanket et tout, c'est que les triangles sont grands. Donc, j'utilisais à peu près 20 grammes par triangle. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ce qu'elle pesait, j'ai pas pesé, je pense que, sachant ce que j'ai utilisé comme laine, j'ai utilisé 9 échevaux de blanc, plus tous mes restes, elle doit être entre 2 kg et 2,5 kg. Ce qui est raisonnable en fait, puisqu'elle est vraiment très très grande, donc une fois étalée, c'est pas... Donc voilà. J'adore. Et donc comme il a fait absolument dégueulasse, comme s'est remis à faire des feux de bois et des choses comme ça super bizarres pour le mois de juillet août, et ben donc j'ai passé pas mal d'après-midi, ma petite sieste que je dois toujours faire parce que sinon je tiens pas la journée, et ma petite sieste de début d'après-midi ou les soirées emballées dans ma grosse couverture. Et donc voilà, on verra quand elle migrera vers la chambre pour devenir ma couverture. Après, je ne sais pas encore comment je vais gérer le fait que le chat est très très intrigué. Après, tout le temps, donc le chat sait qu'elle ne peut pas venir sur ce que je tricote. Puis maintenant, elle ne peut plus du tout venir sur moi puisque je suis allergique à mon chat. Et donc du coup, elle sait qu'elle ne peut pas venir sur ce que je tricote, donc elle ne vient pas, elle n'est jamais venue sur la couverture pendant que je la tricotais. Et c'est amusant parce que ces derniers temps, je suis hop emballé dans la couverture, elle arrive comme une dingue dans le canapé et elle voit la couverture et elle fait « Ah !» Je peux pas. Et là, elle recule. Elle va sur les genoux de mon mari. Donc, on verra. J'espère qu'elle va pas me faire un carnage parce qu'elle avait déjà fait un petit peu de pain dessus et que forcément, avec ses griffes de vieille mémère qui ne fait plus ses griffes sur les arbres du jardin puisqu'elle ne sort plus, elle m'avait arraché quelques fils que j'ai rentrés après au crochet. Voilà, je les ai retirés pour réétaler le brin dont ça ne se voit plus. Et ma couverture. Je suis super contente. Et en fait, c'était vraiment le projet qui me convenait parce que je devais réfléchir à mes couleurs. Juste un truc pas compliqué. Qu'est-ce que je fais comme couleur pour le prochain? Parce qu'en général, quand j'attaquais un carré, je regardais ce qu'il y avait autour pour quand même que ce soit pas du coup deux fois exactement la même couleur, l'une à côté de l'autre, ni que ce soit trop criard l'un à côté de l'autre, même si je crois que dans la globalité, ça ne se voit pas. Mais pour ce plaisir de quand même, ok, premier triangle, je le fais comme ça, deuxième, troisième, quatrième, ça va s'associer comme ça, et voilà. Ok. Voilà, c'était vraiment parfait, parfait, parfait. Et donc après ça, j'ai continué dans les projets hivernaux. Je crois que j'ai... Oui, c'est ça. J'ai refait l'autre paire de gants qui est toujours près du canapé. J'ai regardé un peu dans les laines que j'ai là, dans les envies tricots, dans la liste des envies tricots que j'avais fait en début d'année. J'ai pas fait une to-do, les 9 tricots que je dois absolument faire en 2023, mais c'est juste, il y a eu un moment en début d'année où j'avais pris
les patrons que j'aime, que j'ai envie de faire, et l'Hélène que j'ai, et d'essayer de trouver des associations possibles, et de me dire, ben, quand j'ai l'occasion, je les case dans mon planning tricot de l'année. Et j'avais... est-ce que j'ai les étiquettes? Est-ce que j'ai les étiquettes? De nouveau, besoin d'un ouvrage qui soit pas trop compliqué. J'avais... Ah bah zut, je l'ai vu hier. Ah bah voilà, elle est là. Elle est là. Bref, j'avais deux échevaux que j'avais reçus de mon amie Angélique, Beau et moi. On avait fait un tricoté chez elle. Elle avait proposé qu'on amène d'Hélène à échanger. Et donc, j'avais échangé avec elle et j'avais adopté deux échevaux de mohair et soie. Voilà, ce coloris complètement dingue. On dirait qu'il a été créé dans ma palette de couleurs à moi toute seule. De la marque Walmet Werf, dont je vous ai déjà parlé, qui est une teinturière néerlandaise qui habite au nord des Pays-Bas. Et donc, ce coloris s'appelle Verve Swerve. C'est en néerlandais, évidemment. Est-ce que ça va faire le point? Voilà. Et donc, elle avait deux échevaux. Et dès que j'étais rentrée de ce tricoté, qui avait lieu en janvier, si je me souviens bien, je m'étais dit, je veux les associer avec ces deux échevaux de Full Moon, donc c'est ma base Full Moon 100% Blue Face Leicester, que j'ai teint All Onion en 2017. Et que je me garde depuis 2017 parce que je veux un jour en faire quelque chose. Et donc je me suis dit, ça c'est absolument magique comme association. Donc, je veux faire un ouvrage qui n'a besoin que de 2x2 échevaux. Donc, dans ces cas-là, on pense à deux modèles. Hein. On pense au Love Note et on pense au Ranunculus. Le Love Note, je vous le dis ou je vous le dis pas? J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Et j'ai compris pourquoi. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait autant de jersey avant la dentelle. Et puis qu'à nouveau, il n'y ait que du jersey. Je sais pas comment expliquer. Je trouve qu'il n'est pas passionnant. Voilà. Et la ranunculus, je l'ai déjà fait. Et je me suis dit, je vais pas refaire. Donc j'ai commencé à réfléchir, je me suis même fait refait un patron sur base des deux patrons, parce que j'avais fait un échantillon en aiguille 6 mm pour voir si je tombais juste ou pas, donc je suis un peu plus petite que les deux échantillons demandaient, mais donc c'était pas grave, je pouvais changer de taille, enfin bon voilà. Et donc je me suis dit, je vais faire une espèce de combo entre les deux, en intégrant, parce que le ranunculus, la dentelle commence tout de suite, et puis il y en a plus beaucoup. Et est-ce que je peux pas faire un combo de je viens intégrer une partie de la dentelle du ranunculus dans cette partie en jersey que je trouve pas jolie avant? En fait, du coup, je trouve qu'on voit trop les rangs raccourcis. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est difficile à expliquer ce que je n'aime pas dans le Love Note. Mais je me trouve pas genre waouh quand je le vois, quoi. Et puis je viens intégrer la dentelle du Love Note, mais en même temps, la dentelle du Love Note, je la trouve pas époustouflante non plus. Donc, est-ce que je trouve une autre dentelle qui vient s'intégrer à la place du... Et puis, c'est pour rappel, mon cerveau ne fonctionne pas. Donc, j'ai quand même passé genre deux après-midi entre des cartons. Je faisais 2-3 heures de carton, puis je revenais ici et je regardais dans mes bouquins de diagrammes. Puis, je faisais moi-même des diagrammes et puis je réfléchissais. Et finalement, vous savez quoi? Je me suis rappelé que j'avais besoin de ne pas réfléchir et j'ai fait le ranunculus. J'ai un trou de mémoire sur la créatrice du modèle. Donc, je vais de nouveau farfouiller dans mon ordinateur pour vous retrouver le nom de la créatrice du modèle. Veuillez m'excuser. Donc le patron est de Knit Café Midori. Je crois que tout le monde connaît le ranunculus dans le sens où c'est un modèle qui est tellement tricoté qu'il est en permanence en première page sur Ravelry. C'est un patron qui est extrêmement versatile. En fait, à la base, elle a tricoté une version en épaisseur lace plus fingering de mémoire avec des aiguilles 6 mm dans une seule taille et qui du coup a une aisance super large, donc je crois qu'il fait le modèle de base fait 129 cm de tour de poitrine et en fait on peut le faire soit avec de la laine très épaisse pour ne pas avoir de points jourés, soit on le fait avec de la laine juste lace pour avoir un truc juste un filet de maille qu'on porte sur soi, et que voilà, en fonction de son tour de poitrine, c'est plus ou moins ajusté, ou en fonction de son échantillon, c'est plus ou moins ajusté. Donc en fait, c'est vraiment plus une recette qu'un patron. Mais donc du coup, les possibilités sont infinies, et c'est ça qui est chouette. Et ensuite, elle a ajouté un addendum au patron, dans lequel on retrouve d'autres tailles plus larges, pour faire un tour de poitrine plus large, si pour justement les gens qui font 129 tours de poitrine peuvent quand même avoir un truc super large. Donc voilà, et donc j'ai hésité, est-ce que je fais la première taille, sachant que mon échantillon était un peu petit et que j'aurais pas 129 de tours de poitrine au final, ou est-ce que je me fais un petit pull un peu plus ajusté, sachant que
comme je l'ai déjà dit, ben, j'ai perdu 20 cm de tour de poitrine entre mon opération et mon régime. Et donc, du coup, la majorité de mes vêtements sont ultra loose. Mes vêtements tricotés sont ultra loose. Et donc, pourquoi pas me faire un truc un peu plus ajusté. Donc, je savais que j'allais tomber en dessous des 129 cm de tour de poitrine. Mais c'est parfait. Je suis ravie. Ravie. Le ranunculus. Oh, la couleur ! La couleur. Vous savez que j'ai toujours ma couverture sur les genoux. Je me sens pas du tout encombrée. Tu vas devoir la déposer, Nathalie, tu sais, quand tu vas montrer ton pull. Le ranunculus. Voilà, je vous montre peut-être la dentelle. C'est très très simple, c'est un modèle qui est parfaitement accessible aux débutants. Un peu curieux, enfin voilà, il faut savoir faire des augmentations, enrouler des mailles. Savoir faire des jetés et des mailles ensemble, c'est à peu près tout. Il se commence par le haut vers le bas. On fait des rangs raccourcis dans le dos sur 3 cm. Et on fait ensuite des rangs raccourcis sur le devant. Et on s'attaque ensuite directement au motif. Et je crois que c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin du motif, on a une partie raglan. Et je trouve que c'est plus ajusté sur le corps que juste du yoke. Les yokes quand ils sont bas, enfin, c'est ça, parce que l'emmanchure est profonde et que si le yoke est bas, ben, en fait, dès qu'on lève le bras, il y a tout le pull qui vient avec, surtout si le vêtement est un peu large. Donc voilà, et ben, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté, j'ai fait l'inverse de d'habitude, j'ai tricoté le corps à la longueur que je voulais et ensuite j'ai tricoté mes manches. Et j'adore le petit détail des manches où on vient aussi au bout de la manche, donc les manches se tricotent droite. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et au bout de la manche, on vient aussi faire des rangs raccourcis. Et donc, ça vient former une petite pointe. Et alors, après, on a un rang de diminution et on vient faire un night court pour finir la manche. Je trouve ça très joli. Donc, voilà. Le bas du corps, c'est des côtes torses. Je crois que normalement, c'est plus de côtes torses. Mais vous le savez, pour mon poignet, les côtes torses, c'est pas idéal. Donc, je crois que j'ai fait le corps un peu plus long et les côtes torses un peu plus courtes. Je ne suis pas certaine. Ben, voilà. Et en fait, j'aurais pu le faire plus long finalement quand même. Mais bon, c'est pas grave. Il me reste 30 grammes et 16-17 grammes. Mais je me demande si je vais pas me faire un bonnet assorti. Et j'ai peur, en fait, je crois que moi, pour un bonnet, l'idéal, c'est 40 grammes. Ou alors, je fais un bonnet tout simple, juste en jersey. Et je fais un tube et puis à la fin, je resserre les mailles. Je ne sais pas. Parce que j'aime tellement ces deux couleurs ensemble. Je trouve ça tellement canon. Donc voilà. Et donc, ben, il a fait dégueulasse. Donc, mon ranunculus, il a déjà bien été porté, forcément, vous en doutez. Je ne sais pas du tout si ça va être approprié avec le chemisier que je porte. Non, mais t'as vu la couleur. Bon, j'en ai profité pour vérifier pendant que je me changeais sur Ravelry. Le patron, donc, c'est la, son, le nom, c'est Midori Hirose. Donc la créatrice du modèle, et le patron existe en anglais, en français, en japonais et en espagnol. Alors, on a deux options de col, je n'ai pas compris parce que moi j'ai fait l'encolure large, et sachant que l'encolure étroite se fait sur 30 mailles, alors, je ne suis pas sûre d'arriver à passer 30 mailles. Je sais que j'avais déjà eu le même problème avec la première version, je me suis dit c'est pas possible, parce que quelle que soit la taille, en fait, je crois que jusque là c'est la même chose, et puis c'est à partir de là que les augmentations varient. Donc voilà, vous voyez là, mon emmanchure, enfin mon aisselle est là, donc l'emmanchure. Donc en fait le motif se termine au niveau de l'aisselle et puis après on a ce raglan. Et alors mon pantalon est un petit peu trop taille basse, mais ça va. Et donc il m'arrive, ma hanche est ici, donc il m'arrive un peu plus bas que la hanche, quoi. Et alors les manches, je les ai volontairement faites pas trop longues parce que justement j'aime tellement bien ce truc là que je voulais pas que ce truc là vienne sur ma main. Et comme je vous le disais, j'ai énormément de vêtements qui sont devenus trop grands et donc du coup c'est pas mal d'en avoir des un peu plus ajustés. Voilà, j'adore cette couleur, c'est un truc de fou, c'est complètement magique l'association des deux, de mon point de vue. Je sais que parmi vous, il y en a qui n'aimaient pas le jaune, l'ocre et tout ça, donc ça doit un peu vous piquer les yeux, mais voilà ce que ça donne. Donc il fait pas 129, 20 cm, il fait entre 115 et 120, mais c'est parfait, voilà. Et donc j'ai tricoté la plus petite taille, il se tricote en aiguille, 6 mm, et de mémoire, je crois que pour les côtes, on utilise du 4,5 ou du 5, enfin, voilà, je ne sais plus, je l'ai fini il y a 15 jours, j'ai déjà oublié.
Donc voilà. Mais alors, on a plein d'options, en fait, justement, ben, manches courtes, manches longues, encolure large, encolure étroite. On fait ce qu'on veut, en fait. C'est ça qui est génial dans ce genre de patron, c'est cette versatilité. On est guidé, c'est une recette. On a les points et voilà. Est-ce qu'on a des diagrammes? Je pense pas, il n'y a pas besoin de diagrammes pour ces points-là. Enfin voilà, c'est vraiment un chouette patron si vous avez dans votre stock de. Donc en vrai, si j'avais utilisé toute ma laine, 30 grammes, c'est un sixième que je n'ai pas utilisé. Je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Donc un sixième que j'ai pas utilisé. Donc en vrai, j'aurais pu avoir des manches qui viennent jusque-là sans souci et facilement rajouter encore 5 à 7 cm au corps. Voilà, ou faire la taille au-dessus. Donc pour rappel, maintenant mon tour de poitrine est de 93, 94, 93, 94. Donc voilà. Si on fait un petit défilé. Voilà, et j'ai un pantalon, mais je pense que je vous l'avais montré, que j'ai cousu, qui est un pantalon qui est taille super haute, et ça donne super bien, je suis super contente. Donc voilà, donc j'étais presque finalement contente de l'avoir fait, hein, parce que ça y est, c'est 4 échevaux qui ne dorment plus dans mon stock de laine là derrière, et surtout, de pouvoir le porter tout de suite. Voilà, le seul truc que j'ai pas encore fait, je crois, c'est les photos pour Instagram, je ne sais plus. Je vous l'ai montré quand il me restait plus que les manches, je ne sais plus. Bref, donc voilà, la partie tricot est terminée. Je viens de me rendre compte que mon zip de mon pantalon est ouvert, donc j'espère que... Ça m'arrive super souvent parce que j'ai pas beaucoup de pantalons avec des zips, puisque j'ai fait beaucoup de pantalons dressed, et donc c'est juste un élastique, et voilà, ça s'enfile juste comme ça. Et j'ai tendance à tout le temps oublier de remonter mon zip. Excusez-moi! Tout va bien. Bon, ben voilà, donc pour la partie tricot, là pour le moment je suis en train de tricoter un gilet, j'ai presque fini un gilet, de nouveau, alors je vous montre la couleur parce que je suis vraiment dans ma période jaune, hein, donc je viens de finir mon gilet Patience, qui est là-haut, qui est jaune, on y reprend, j'ai fait ceci qui est dans les tons quand même franchement proche du jaune, hein, puisqu'on a l'oignon, et je suis en train de retricoter du Nerprin. C'est une nouvelle base que je vous proposerai lors de la fête de la laine de Feltin, et donc voilà, j'avais envie de tricoter ça avant, pour voir vivre dedans, vous la montrer, voilà, donc je suis en train de finir un gilet, ensuite je vais faire j'ai un patron de châle qui me trotte dans la tête depuis des mois, et j'ai enfin pris le temps de m'asseoir, tester, faire un mini châle pour voir si ça fonctionnait, choisir mes points et je vais l'entamer. Ben, à mon avis, j'ai fini mon gilet d'ici la fin du week-end et je commencerai le châle la semaine prochaine. Ensuite, je pense que je vais participer à un test. Donc, je ne sais pas, ça va être compliqué. Est-ce que je vais de nouveau me retrouver dans une phase où je ne peux pas vous montrer vraiment ce que je tricote? Mais bon, voilà, c'est les aléas de la podcasteuse dont c'est aussi le métier de tricoter des choses et qu'elle ne peut pas toujours tout montrer en direct live. Mais voilà, j'espère quand même voilà, ça ne vous dérangera pas trop. Ou alors je refais un épisode sur les trucs qui dataient d'avant les épisodes de podcast puisque je suis dans une phase de rangement et que je vide ma maison, mais je vais réenchaîner alors sur une petite partie couture puisque j'ai deux robes à vous montrer et je vais retirer le pull parce qu'aujourd'hui il fait trop chaud pour le porter et ça c'est une bonne nouvelle. Couture, couture, couture. Bon, ça fait 10 minutes que je vous parle couture et qu'en fait, j'avais pas poussé le bouton. On recommence. Donc, j'ai deux robes à vous montrer. Il y en a une qui est faite depuis un moment. Alors, le tissu. Je l'ai acheté sur un coup de cœur de malade lors du Ch'ti Bazar créatif de novembre 2022. C'est Maison Blue Mood, qui était présente avec un stand. Et elle avait une dizaine de tissus. Et quand elle a installé son stand le vendredi, j'étais... Voilà. Et je le voyais de mon stand tout le temps. Donc voilà, donc le samedi, quand j'ai eu l'occasion, j'ai cherché des idées de patron et tout ça, voir combien de mètres j'aurais besoin, et j'ai adopté 4 mètres de ce tissu. L'idée à la base était de faire un chemisier et une jupe longue pour avoir la possibilité de faire une tenue complète ou deux tenues séparées. Voilà, ensuite, vers la même période... où je l'avais déjà, non parce que je l'ai acheté plus tard, je l'ai acheté sur leur site, j'ai eu un coup de cœur sur un modèle de Fiber Mood du magazine de septembre 2022, voilà, qui est, parce qu'il y a des numéros de magazine, donc, édition française numéro 21, et qui est la robe Kika. Voilà, qu'on voit ici, et alors il y a une autre version, voilà.
Une grotte toute simple, très très large. Ah bah, si je vous montre le croquis, c'est même encore mieux. Est-ce que je vous montre le croquis? Est-ce que je vous montre rien du tout? Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire les deux. En me disant, ah, ça va être une super belle robe. Alors, on savait déjà qu'on avait ce mariage en juillet. Et donc, je m'étais dit, ben, je vais faire ça. Parce que même s'il fait très chaud, une robe large et longue, c'est confortable. S'il fait pas trop chaud, ben, c'est pas grave. Je peux vous dire qu'elle est un collant, un t-shirt en dessous, ça se verra pas. Enfin, voilà. Et puis, quelqu'un me dit dans la famille, oui, mais attends, on connaît pas encore leur thème. Et moi, je suis vraiment, enfin, voilà, un mariage, le principe, c'est qu'on se marie, qu'on est heureux, qu'on fait la fête et qu'on s'entoure de tous les gens qu'on aime. Mais alors, tout ce qui est cérémonial, la danse du obligatoire, les bazars, les trucs, les rituels, les couleurs, les tendances, le machin, ça me dépasse complètement, en fait. Et donc, j'y avais pas pensé une seconde qu'on puisse être obligé d'être en long, en court, en jaune, en orange, enfin, voilà. Et donc, voilà. Et donc, on voit le neveu de Jean-Luc qui se mariait et on lui dit, bah, alors, quoi? Il fait, bah, en fait, nous, moi, je suis en vert et mes témoins sont en beige et elle sera en blanc beige et elles seront en vert. Mais, voilà, le seul truc qu'on aimerait, c'est que personne ne porte de noir. Et donc, on peut faire ce qu'on veut, du long, du court, de l'orange, des fleurs, de machin. Il fait, ouais, ouais, vas-y, fonce. J'ai mis en plus, j'ai du vert dans ma robe, quoi. Donc voilà. Donc, c'était décidé. Après, du coup, je sais ça, genre, en février-mars, je vais pas faire ma robe en février-mars, sachant que je peux pas la porter avant le mois de juillet. Il y a une mouche qui est en train de tourner autour de l'écran, ça me perturbe très, très fort. Et donc, du coup, j'ai reporté tout le temps la couture de cette robe, et je crois que je l'ai faite, si je me souviens bien, je l'ai faite début juin, parce que là, j'en pouvais plus, puis il fallait qu'elle soit faite, je voulais qu'elle soit faite. Ah, oh, je l'ai faite en mai? Je sais plus, je voulais qu'elle soit faite avant le fil de la manche, oui, donc je l'ai faite entre les bigouds de laine, donc je l'ai fait courant juin, entre le bigoud de laine et le fil de la manche, parce que je voulais quand même qu'elle soit faite pas avant la dernière semaine, et puis je voulais être sûre d'avoir assez de tissu, puis voir ce que je pouvais éventuellement faire, si je pouvais pas faire une pochette assortie pour mon mari ou d'autres accessoires, enfin voilà. Et donc j'ai fait ma robe, et donc je vais vous montrer ma robe. Accrochez-vous, hein, parce que le tissu... Bah après, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu les photos, donc vous n'allez pas être complètement surpris, mais... C'est un peu comme cette association-là, c'est un peu comme si on avait fait un tissu spécial dans mes couleurs, quoi. Vert, orange, rouge... Non, mais regardez-moi ça, quoi. C'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Bon, après, au niveau de la construction, ben moi, j'ai de nouveau bien, bien aimé ces Faye Bermuth. Alors, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, et vous êtes plusieurs à m'avoir remercié. Donc, j'en reparle. Donc, Faye Bermuth, quand on achète le magazine, les explications sont assez succinctes. Mais il suffit de se connecter, de créer un compte sur leur site. Et là, en fait, toutes les explications de tous les modèles sont accessibles à tout le monde. C'est juste qu'on n'a pas le patron. C'est le patron qui est payant. Et donc, dans le magazine, on a le patron. Et, ou sinon, on peut acheter chaque patron de façon indépendante via leur site. Mais la marche à suivre n'est jamais comprise avec le patron. Il faut aller la chercher sous forme de PDF. Et elle est disponible en français, en anglais, en irlandais de mémoire. Peut-être même encore en allemand. Donc voilà. Et donc du coup, je trouve les explications bien foutues. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des croquis étape par étape. On sait bien à quel cran on doit s'arrêter, à quel cran on doit recommencer. Enfin, je trouve que c'est parmi les explications couture les mieux foutues que je connaisse. Et les marges de couture ne sont pas comprises. Ça, vous savez, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et dans les explications, on a un croquis où ils vont préciser, à cet endroit-là, il n'en faut pas. À cet endroit-là, il vaut mieux 1 cm. À cet endroit-là, il vaut mieux 1,5. À cet endroit-là, il vaut mieux 3. Et donc, en fonction, j'ouvre cette page-là sur mon ordinateur. Et quand je coupe mon patron, ben, je viens, où je les note même sur le papier calque dans lequel est coupé mon patron, je viens noter les marges quand elles ne sont pas classiques 1 cm. Parce que leur classique aussi est 1 cm. Souvent dans les patrons indépendants, les marges comprises sont 1,5 cm. Et je vous ai déjà dit, moi ça me perturbait parce que je travaille avec le pied de ma machine qui lui est à 7 mm ou la première barre qui est à 1 cm. Et donc j'ai toujours cousu comme ça puisque j'ai cousu énormément de burda de japonais et de patrons marges non comprises. Et donc du coup, quand je fais un patron marge comprise 1,5 cm, je dois réfléchir à déplacer parce que sinon je me retrouve avec tous des vêtements trop larges ou avec les pièces qui ne tombent pas juste. Donc voilà. En fait, pour être sûr que le modèle maille, parce que mon mari n'avait pas du tout les photos, il trouvait que cette robe ne ressemblait à rien. Et je pense que c'était lié au fait qu'il n'aimait pas spécialement les tissus avec lesquels elle était confectionnée. J'y avais fait une version test de la partie du haut. Parce que, mais je crois que je vous en ai déjà parlé en plus, que en plus, ben, quand bien même je n'ai plus mon bonnet G
qui n'est pas au bon endroit, qui est tombé avec la gravité, et que les parties... voilà, je fais toujours 1m80, et donc mes seins sont plus bas que la norme, qui est 1m70, 1m70 en couture. Et donc, du coup, j'avais fait une version test du haut. Donc, juste, j'avais fait juste la partie extérieure de cette partie-là, et des manches, puisqu'elles sont intégrées dans le haut. Et donc j'avais directement vu qu'il fallait que je rallonge de 5 cm. Donc c'était mon seul changement, c'est d'avoir allongé ça de 5 cm. Et donc j'ai découpé d'abord cette partie-là, et puis j'ai vu ce qu'il me restait pour faire la jupe, pour pouvoir faire la jupe le plus long possible. Donc elle est, je crois, même plus longue que ce qui est prévu dans le magazine, sachant de nouveau que je fais 1m80, et que moi je voulais qu'elle m'arrive genre aux chevilles pour utiliser tout mon trop beau tissu. Voilà, et donc quand on a fait la partie extérieure du haut, on vient y ajouter la jupe avec ses fronces et ses grandes poches. Voilà. Bon, elles ne sont pas très profondes, hein, mais j'aime bien cette poche intégrée. Et voilà, on termine. Et ensuite, on vient faire la doublure, la parementure. Utilisons les bons termes. La parementure de l'intérieur, du haut. La parementure de l'intérieur. Voilà. Et donc ça c'est pareil, on vient assembler le morceau de dos, le morceau de devant. Et ça c'est la deuxième fois ou la troisième fois, d'ailleurs je vais vous en reparler dans l'ouvrage suivant, dans la robe suivante, où je ne comprends pas ce qu'on vient faire avec cette parementure, qu'on doit venir coudre sur les marges de couture de l'extérieur. Et donc, enfin je trouve ça bizarre. Parce que du coup, là, moi, je dirais bien que pour la parementure, il faut que la marge de couture soit plus large que la marge de couture du vêtement pour être sûr de ne pas faire de bêtises, quoi. Donc, ce que j'ai fait, moi, ici, c'est que je suis venue piquer dans la couture à travers ma parementure pour la stabiliser, en repliant en dessous mes marges de couture pour qu'elles soient à l'intérieur. Voilà. Et j'ai la chance, heureusement, d'avoir une surjeteuse et de ne pouvoir donc surjeter tout le pourtour de ma parementure. Où est-ce que ça se voit? Voilà. Vous voyez, tout est surjeté. Je me cache. Je me cache derrière mon surjet. Donc voilà. Je ferai... Est-ce que je l'essaye tout de suite? Oui, hein. Je l'essaye tout de suite, comme ça je fais au fur et à mesure, ça sera plus simple pour le montage de m'y retrouver dans mes petits morceaux. Je l'adore. Alors, voilà, il a fait moche. Donc, alors, le jour du mariage, c'est le seul jour de tout l'été en Belgique où il a fait plus de 35 degrés. À la cérémonie, on était déjà tous complètement trempés. Alors, je vous avais fait filmer toute une vidéo parce que je pensais vraiment enregistrer un épisode au mois de juillet. Donc, le beau-père du futur marié a une 2 chevaux. Et l'année passée, il y a un an, quand ils ont annoncé qu'ils se mariaient, lui, il était couché, alité avec une sciatique. Et donc, il a proposé à mon mari de conduire la 2 chevaux, sachant que mon mari est fan de 2 chevaux, c'était sa première voiture qu'il a gardée je ne sais pas combien d'années. Et donc mon mari était chauffeur de mariée, et moi sur une lubie j'ai fait « Ah, mais je vais vous la décorer la 2 chevaux !» J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais même pas, quand je vous dis, moi je sais même pas comment ça se déroule un mariage. Moi mon mariage, on a fait un barbecue à la maison quoi, c'est... On avait mis des tonnelles au cas où il pleuvait, on avait été chercher, on avait plein de mousseux, on avait du... Bonne franquette quoi, je suis pas du tout au courant, au fait de ce qui se passe pour un mariage. Mais donc, et si je vous décorais votre 2 chevaux? Et mais ça, je vous en ai déjà parlé. Et donc, du coup, je vous ai filmé des vidéos. Alors, je les mettrai peut-être à la fin de la vidéo ou entre les petits bouts, j'en sais rien. De toute la déco que j'ai faite, j'ai passé une journée complète à faire des pompons, à faire des rubans, à faire des trucs en dentelle, avec mes chutes de tissu, mes chutes de dentelle. Et pour venir décorer après la 2 chevaux, je me suis éclatée comme une dingue. Mais donc, du coup, nous, on retrouvait les mariés avant, chez eux, avec leurs témoins, leurs frères et sœurs et leurs parents. Et donc là, on a pris un petit déjeuner, puis on est parti à la commune. On était déjà tous mais trempés, dégoulinants, c'était horrible. Les gens avaient du mal à garder leur costard. Enfin voilà, il y avait des pauvres nanettes qui avaient des super jolies robes colorées, mais près du corps et qui avaient des... Mais bon, on était tous dans la même galère, donc c'était bon. Et ensuite, on avait à peu près 45 minutes de route vers la salle où se passait le reste de la journée. Et là, il y avait donc, on était juste à la mairie, à la commune pour la cérémonie officielle. Et puis après, il y avait une cérémonie avec les rites qu'ils avaient voulu mettre en place. Ils sont tous les deux musiciens, donc il y avait un concert qui était prévu. Enfin voilà. Et donc on se dirigeait vers la salle où était prévu. Ils avaient fait tous les aménagements de la salle et des extérieurs, puisque la cérémonie se passait en extérieur.
Et on part, donc mon mari part avec eux en deux chevaux, moi je prends sa voiture à lui avec, et covoite avec d'autres personnes, et donc hop, on est parti. Et genre un quart d'heure avant d'arriver à la salle, on se dirigeait mais vers des nuages noirs, un truc de malade, mais de malade, le truc mais de dingue, alors qu'il y avait zéro pluie annoncée de toute la journée. Et on est arrivé dans cet orage qui restait pendant une heure là, au-dessus de la salle. Nous, on n'arrivait pas, c'était des routes à travers des champs, des routes en pavé, il y avait ça d'eau, je pense, à du 2 km/h. On se suivait, tous les gens qui allaient au mariage. On est resté dans le parking, et à un moment donné, je regarde autour de moi, je fais, mais je ne peux pas sortir de la voiture. En fait, il y avait de l'eau presque jusqu'à mi-hauteur de ma portière dans le parking. Donc là, j'ai changé de place tout doucement en me disant, mais il ne faut pas que je noie ce moteur non plus, enfin, c'est pas ma voiture. Donc là, et donc on était, et puis quand la pluie s'est arrêtée d'un coup d'un seul, ben en fait, il y a genre 50 personnes qui sont sorties des voitures. Moi, j'étais super inquiète, j'arrivais pas, il n'y avait pas de réseau, j'arrivais pas à joindre pour savoir s'ils étaient bien arrivés, si les deux chevaux avaient survécu à l'orage. Et en fait, eux, ils étaient arrivés juste avant l'orage. C'est vrai que moi j'avais dû faire des détours justement pour les histoires de covoiturage et donc j'étais pas dans les premiers arrivés. Et donc eux ils étaient à l'intérieur mais en train de... Mais désolé de voir en fait toutes les chaises, toutes les décorations qu'ils avaient prévues pour leur cérémonie en extérieur avaient été soufflées par la rafale, par une espèce de mini tornade, il y en avait partout. Tout le monde s'y est mis, les gens de la salle, tout le monde et nous. Et donc on a été chercher de quoi tout essuyer, de quoi tout réaménager, de quoi tout réinstaller. Et la suite de la journée s'est faite, sauf qu'il a refait 35 degrés avec les hectolitres d'humidité qui étaient tombés pendant cet orage. C'était hallucinant. Qu'est-ce qu'il avait, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie, quoi. Alors nous, c'est bien simple, on est rentré à 2h du matin. On a pris nos vêtements, on avait l'impression qu'ils étaient croustillants de sel et on s'est jeté dans la douche et on a pris une douche froide. Donc voilà, donc j'ai porté cette robe-là ce jour-là, tout ça pour vous dire ça, et j'ai porté cette robe une seule autre fois, il y a quelques jours, quand il faisait un peu moins moche, et que des amis sont venus manger à la maison, je me dis, allez, je la mets, et au pire, si j'ai froid dans la soirée, je vais mettre un collant par-dessous. Donc voilà, donc je n'ai pas pu en profiter alors que je me voyais vivre dedans tout l'été, parce que je l'aime d'amour, mais après, avec... C'est pour ça aussi que je voulais un modèle, enfin j'ai flashé sur le modèle parce qu'il est large, donc il peut être porté en toute saison, mais il a des manches longues, il est long, donc je peux le porter également en hiver. Donc je vais pouvoir le porter, ça y est, je vais pouvoir porter ma robe, sa perlipopette. D'ailleurs, je vais la porter tout de suite. Je vous fais le défilé. Je vous avoue, j'ai gardé mon top et j'ai gardé mon jeans. Braguette fermée. Voilà, la robe. Alors, normalement, une autre modification que j'ai faite, c'est que normalement, on met un élastique ici dans la manche. Et ça, j'aime pas tellement. Parce que je trouve que ça coince vite. Voilà, et je trouvais vraiment très agréable de la porter comme ça. Puis après, un élastique, s'il le faut, ça se rajoute. Donc, voilà. Elle m'arrive, je peux pas vous le montrer. Elle m'arrive juste sur le coup de pied. Oh, je l'aime tellement, je l'aime tellement, je l'aime tellement. C'est vraiment un chouette modèle. Et donc, elle s'appelle... c'est la robe Kika de Fiber Moods. Voilà. J'ai rien à redire. Bon, du coup, je peux pas vous parler de la qualité du tissu, mais franchement, la viscose est très agréable. Elle est un peu épaisse sans l'aide de trop. J'ai utilisé des aiguilles micropores, Microtex, micro machin, spécial viscose. J'ai quand même des petits points blancs qui sont apparus par-ci, par-là. Vous avez vu l'obsession de l'ourlet invisible. Même sur les manches, maintenant, je me fais des ourlets invisibles. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Là, j'ai toujours galéré à faire ces ourlets invisibles. Et puis après, j'ai passé 2 ans à raccourcir tous les pantalons de belle-maman et à lui faire des ourlets invisibles. Et voilà. Mais donc, en fait, toutes mes coutures sont nickel, à part au moment de l'ourlet invisible, j'ai tous des petits points blancs dans la viscose. Mais voilà, c'est vraiment un très, très, très joli tissu. Mais bon, là, il a été lavé deux fois. Il a été lavé deux fois, donc je ne peux pas vous dire comment il vieillit, comment... Bon, je crois que je vais... Ouais. Je vais peut-être retirer mon jean, finalement, et la garder pour aujourd'hui. Non, c'est un peu délicat pour la teinture, c'est peut-être encombrant, les manches, les grandes manches comme ça. Donc voilà, donc la robe Kika de Fiber Moods, qui est vraiment un très joli modèle, je trouve. Alors, donc, mon idée, voilà, j'ai envie de reporter des fleurs, j'ai envie de porter des robes, je vais me faire une robe ou un chemisier ou un pantalon par semaine, j'ai acheté des tissus, j'ai acheté des patrons, et je vous raconte pas ma frustration puisque je n'ai quasi rien fait à part une robe. Là, c'était de nouveau un coup de cœur complet sur le tissu, et j'ai su immédiatement quel modèle je voulais faire, et donc, je voulais faire la robe Florette de chez Cousette, mais version sans manches. Donc c'est un modèle niveau intermédiaire, donc c'est pour les, c'est
Je sais pas dans quel ordre ça va. Débutant un peu. Parce que je viens d'en racheter un autre qui lui est niveau avancé. Oui, c'est ça. Niveau avancé alors qu'il a l'air plus simple. Je sais pas. Donc voilà, et donc en fait on a plusieurs options, soit sans manche, soit avec manche, soit chemisier, soit avec des petits volants. Ça ne se voit pas sur la couverture, en fait il faut vraiment aller sur le site pour le voir, je trouve ça un peu dommage. Et même en fait dans le livret, j'ai eu du mal à trouver les explications de ce que je voulais, parce qu'en fait soit tu fais le chemisier avec des petits volants et les manches, soit tu fais la robe sans les manches, avec, enfin c'était... j'ai pas trouvé... Après, les explications sont bien faites, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai eu du mal à trouver l'option que je voulais. Il n'y avait pas genre, si tu veux faire tes manches comme ça, tu vas à tel endroit, si tu veux faire ton volant comme ça, tu vas à tel endroit. J'ai dû chercher, mais voilà, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. Et donc, je l'ai fait dans un tissu Cousette, ne me demandez pas le nom du tissu. J'ai pas la place dans mon cerveau pour... On reste pas du tout dans la même... Quand j'ai acheté le tissu, mon mari m'a fait... Bah, c'est la même. Bah non, c'est pas la même, ça n'a rien à voir. Je trouve de nouveau, c'est un tissu qui est un peu fait genre dans ma palette, quoi. Vous imaginez, on n'est pas du tout dans le même... Bah voilà, on est dans... donc voilà, la robe que j'ai faite, donc avec ces très jolis volants, et je n'ai pas fait de manches. Et je suis, donc celle-là, je ne l'ai toujours pas du tout, du tout portée. Donc le tissu vient de chez Cousette aussi, c'était de leur collection de ce printemps-été-ci. Et alors j'ai mis des boutons, donc les boutons ne sont pas prévus sur la robe, mais je les ai mis. Enfin, en fait, je n'ai pas tout compris, mais j'ai fait ce que moi j'avais en tête. Et j'ai mis des boutons que j'avais dans mon stock de boutons de mes grand-mères, grand-tantes, arrière-grand-mères, etc. Donc voilà, voilà. Je pense que je l'ai allongé de 15 cm par rapport au modèle. Alors, ben, construction, ben, c'est à peu près le même style de construction que maintenant, sauf qu'en fait, ce qui est... Donc, on a le devant qui est en deux parties, et le dos qui est en deux parties. Donc, on a un panneau central et on a des côtés, puisqu'on vient intégrer ces volants entre les deux parties, et vous voyez, l'emmanchure est ici. Pourquoi tu tournicotes, toi ? Voilà. On a l'emmanchure qui est ici en dessous, et donc qui est très près, très haut dans l'épaule. Et donc ça, ça vient juste couvrir l'épaule. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, quand j'ai montré sur Instagram, si ces longues manches n'étaient pas embêtantes, mais en fait pas du tout, puisqu'en fait on a la robe par-dessous. On peut aussi imaginer faire la robe sans les volants. Elle fonctionnerait très bien aussi. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Voilà, parce qu'on a une robe complète, mais dans laquelle est intégrée... les deux volants, et donc on vient construire toute la robe, et puis après, de nouveau, on vient... Oh, il y a des fils pas coupés. Oh, bah alors, on vient faire les parementures et donc là, de nouveau, je me suis retrouvée très très malheureuse à pas comprendre ce que je devais faire avec cette parementure, et donc j'ai refait la même chose, je suis venue piquer ma parementure dans les coutures. Ce qui est un peu galère, parce qu'il faut vraiment bien viser, et bien suivre son tissu au-dessus et en dessous, pour qu'il n'y ait pas de boursouflure qui vienne se former, et d'être sûr de prendre un maximum du tissu. Ce patron-ci est un patron marge de couture comprise. Et alors, j'ai toujours le même problème avec Cousette. Je suis exactement entre deux tailles. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la taille... Voilà, j'ai fait la taille LL, donc c'est ça. Donc j'ai cousu deux autres modèles de chez Cousette. Je suis en taille L, qui correspond au 40-42. Qui fait, là, c'est prévu pour 92 à 96 de tour de poitrine. J'en fais 93-94. Donc j'aurais pu faire le L. Sauf que la robe que je vous ai montrée dans l'épisode précédent, quand je fais la taille qui correspond à mon tour de poitrine, c'est beaucoup trop étroit. Donc j'avais fait la taille la plus large. Parce que je rentrais absolument pas dedans, tant au niveau des épaules que l'arrière du dos, au niveau des emmanchures, j'étais à étroit. J'avais fait un chemisier l'été passé, que je n'ai jamais porté, que j'ai donné à une amie, parce que je rentrais absolument pas dedans. Donc là, j'ai vraiment ce dilemme de, je veux pas que ça m'arrive à nouveau, c'est un modèle qui est prévu pour être cintré ici le long du corps. Si c'est pour me retrouver avec un truc où j'ai payé mon tissu, une blinde, parce qu'il faut 4 mètres, chemisier 2,85 m, oui, j'avais 3 mètres. Il faut 3 mètres, je ne sais plus, 3 mètres. J'ai utilisé plus puisque j'ai allongé. Oui, peut-être 3,50 m j'ai utilisé. Oh, je ne sais plus. Veuillez m'excuser. Mais donc, il faut du tissu. Donc, il y a quand même un budget. Enfin, je veux dire, on n'est pas loin de
entre le patron et le tissu, on n'est pas loin de plus de 100 balles la robe, quoi. Donc pour me retrouver de nouveau avec une robe qui est beaucoup trop étroite, il ne faut pas rêver, je n'arrive plus à perdre du poids depuis un an et demi, je ne vais pas continuer à perdre du poids, je me suis stabilisée, je vais rester là, je vais faire en sorte de rester là pour ne pas reprendre, donc ça ne sert à rien de vouloir faire une robe trop petite que je ne pourrais jamais porter, donc je vais faire la taille au-dessus pour être certaine, et donc la taille au-dessus, c'est pour les tailles de 97 à 101. Elle est trop grande. Mais trop grande. Mais vraiment trop grande, quoi. C'est pas grave. Ça se rattrape. Enfin, je veux dire, avec une ceinture, c'est portable. Après, je n'aime pas porter de ceinture avec une robe. Je trouve ça encombrant. Le but d'une robe, moi, c'est d'être à l'aise. Justement, de n'avoir rien au niveau de la taille. Donc, je me souviens même déjà du temps de bloc. Souvent, on me disait, mais mets une ceinture à la taille. Mais non, j'aime pas ça, en fait. Si je fais une robe, c'est pour ne pas être cintré au niveau de la taille. J'ai des jupes pour ça. Donc, voilà. Je vais l'enfiler. Vous verrez, c'est pas désastreux. Mais c'est un peu trop large. Défilé. Et elle m'arrive donc à mi-mollet. Et alors j'ai mis le dernier bouton pour qu'il soit 10 cm au-dessus de mon genou, pour comme ça quand je marche, je suis pas gênée. Mais voilà, en fait, je trouve qu'il y a ça en trop. J'aurais bien aimé qu'elle soit plus cintrée. Et donc, en fait, j'aurais dû faire la taille en dessous. C'est pareil au niveau des épaules. Donc, si je soulève mon volant, vous voyez que l'épaule arrive ici. Moi, ça m'encombre un tout petit peu. Bon, voilà, juste, elle est trop large, quoi. Donc, je la mets, je l'ai portée avec une ceinture. Bon, je vais vite, hop. Voilà, porter avec une ceinture, je trouve que ça va mieux. Bon, j'ai pas saisi ma ceinture, c'est comme si je n'avais pas mis. Voilà, comme ça. Donc, je trouve que du coup, c'est un peu mieux. Mais comme je vous dis, moi, ça m'ennuie d'avoir une ceinture sur ma robe, quoi. Mais je suis super fan du tissu. Alors, du coup, je ne l'ai pas encore porté. Donc, je ne l'ai pas encore lavé. Et j'ai fait la fille trop pressée de la faire. Et donc, dès que j'ai reçu mon tissu, je l'ai cousu. Mais je n'ai pas lavé mon tissu avant. J'avoue, je lave très rarement mes tissus avant. Mais très, très, très rarement mes tissus avant. J'espère, en fait, c'est pour ça que je me dis, je panique pas, j'y touche pas, parce que je vais d'abord la porter au moins une fois, et puis la relaver, la laver tout court, en fait, la laver, et puis on verra. Mais ce que j'adorais vraiment, c'était ce volant, et je m'en suis prévu une deuxième, et a priori avec manche longue, dans un tissu d'atelier brunette. Ouais, je ne vais pas y arriver, il est en dessous de plein d'autres tissus. Dans un tissu d'atelier brunette que je voulais faire pour l'hiver. La même en peut-être plus courte, donc qui arriverait genre juste sous le genou, et avec les manches longues. Mais donc du coup, il faudra que je fasse la taille en dessous, ou que je fasse sans marche de couture peut-être. Ah ben non, les marches sont comprises. Mais c'est ça aussi, moi j'aime bien tricher sur oui ou non, je mets les marches de couture, comme ça je gagne une taille. Et là je ne peux pas. Donc je redécalerai le patron une taille en dessous à mon avis, parce que c'est... En fait, elle est trop large un peu de partout, quoi. Mais voilà. J'adore ce tissu, c'est très très beau. Et en fait, c'est pour ça que j'ai vraiment eu du mal, parce que je m'étais dit qu'un gilet pour venir par-dessus serait pas mal. Mais en même temps, un gilet avec les volants, c'est pas tout à fait possible. Ça, c'est peut-être le défaut de cette robe. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas comme si j'avais pas de châle pour remplacer les gilets. Donc voilà. Donc ça, c'est la robe. J'ai pas l'air enthousiaste, je le suis. C'est juste que j'ai... En fait, je suis frustrée. Elle est faite depuis 4 semaines, je ne l'ai pas encore portée. Elle a pendu dans ma chambre, je ne l'ai pas rangée dans la garde-robe, juste pour me dire, dès que j'ai l'occasion, je la mets. Et puis finalement, elle a quand même atterri dans la garde-robe, parce que je ne vais pas avoir l'occasion de la mettre. Donc voilà, mais donc c'est la robe fleurette de Singulière by Cousette. Franchement, voilà, je suis contente. J'ai acheté 2 autres patrons de Cousette. Je vais vraiment bien, bien réfléchir par rapport aux tailles. Parce que pourtant, j'avais mis les... Voilà, quand j'ai un doute, je mets les papiers sur moi pour voir ce que ça donne. Mais bon, c'est pas évident de se rendre compte que... Mais quand on a 4 pièces comme ici, qu'en fait, s'il y a 1 cm de trop à 4 pièces, aux 4 pièces, au total, on a 4 x 2, donc on a 8 cm de largeur en trop, quoi. Oui, c'est ça. Elle pourrait être 8 cm plus étroite, je pense, pour être appropriée. Parce que du coup, le fait d'être un peu large, je trouve que ça lui donne un petit potentiel mémère. Voilà, ça lui donne un petit les robes que portait ma grand-mère. Ou voilà, mais il y a des solutions, hein. Je peux venir gagner de la largeur ici. Enfin voilà, je suis pas inquiète, je vais la porter. J'espère bientôt. Qu'est-ce que ces couleurs sont belles, qu'est-ce que ce tissu est beau. Et je vais la laver et puis on verra ce que ça donne. Voilà.
Je suis déjà arrivée au bout de cet épisode. Je sais pas combien de petits bouts j'ai coupé, beaucoup. Combien de petits bouts ça va faire. Donc j'ai aucune idée de la longueur de l'épisode. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous passez un bel été, que vous en profitez, que vous déconnectez, que vous êtes plus en forme que ce que je ne le suis. Si on se voit bientôt sur un salon, ben vivement. Je ne promets plus du tout de venir bientôt vous voir, puisque ben, comme je le disais déjà au niveau tricot, je ne sais pas très bien ce que je pourrais venir vous montrer avant un petit moment. Et point de vue couture, ben on va voir. Hein. Là, j'ai quand même deux robes que je veux absolument me faire avant la fin de l'été. Qui peuvent, voilà, de manière des robes comme ceci, on peut les, il suffit de rajouter un collant et un gilet, on peut les porter en hiver. Donc c'est pas un vrai souci. C'est pas des cousettes 100% estivales. Les cousettes estivales, je crois que je vais tant pis les mettre de côté, mais ça me fait un peu râler parce que je m'étais vraiment fait plaisir. Je m'étais fait une cagnotte. Voilà, j'ai eu mon anniversaire il y a pas longtemps et j'ai juste demandé de l'argent pour acheter du tissu, quoi. Donc, et acheter des patrons. Donc j'ai quand même dépensé pas mal d'argent depuis le début, depuis juin, là, et j'ai fait une robe. Oh, il vient d'y avoir un bruit très très bizarre, et en fait c'est un gros coup de vent qui a balayé toutes les feuilles qui étaient sur la terrasse. Mais oui, parce que comme on vient de traverser 3 semaines d'automne, on a déjà plein de feuilles mortes sur notre terrasse, c'est logique. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir, un petit pouce vers le haut. Si vous étiez nouveau, nouvelle, merci d'être resté jusqu'au bout, les autres aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous retrouve quand je peux, où je peux, dès que je peux, et voilà. Et puis racontez-moi, il y a un truc drôle qui vous est arrivé pendant les vacances, un truc amusant, un truc incongru qui vous est arrivé pendant les vacances, histoire de me changer les idées de ma morosité. Tricotez bien, cousez bien, brodez bien, éclatez-vous, riez au moins une fois par jour, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, et embrassez-les très très fort le plus souvent possible. À tout vite, je vous embrasse.